se trouve au sud-est de l'Asie. C'est un des trois pays de l'ex-Indochine, qui a la superficie de 333 000 km². Elle se divise en trois régions. Le nord, le centre et le sud. Le circuit de Bon Voyage commence de Hanoï, puis en route pour Kuala Lumpur. Et ensuite, la baie d'Along et en train pour Lao Cai. Visiter Sapa, puis le marché Kanko et retourner à Hanoï en train de nuit. Puis en avion pour Hue et en route pour Danang et Hoian. Ensuite par avion pour Pleiku et Ban Mae Thuot. Puis en avion pour Ho Chi Minh Ville. Et après ça, c'est la route pour le delta du Mekong pour visiter des vergers et le marché flottant Cai Rang. Puis retourner à Ho Chi Minh Ville pour le vol de retour. L'aéroport Noi Bai est l'aéroport international le plus grand du nord du Vietnam, qui a été construit en 2001 avec trois étages. Le rez-de-chaussée est pour les vols d'arrivée, les banques et les bureaux des agences touristiques. Premier étage, deuxième étage, c'est pour les vols de départ et pour les bureaux des agences aériennes. Troisième étage sont pour les supermarchés et les restaurants. Transfert de l'aéroport Noi Bai à la capitale Hanoï. Avec 35 km, ça nous prend environ 50 minutes pour aller jusqu'à la capitale Hanoï. L'arrivée à l'hôtel San Gui, c'est un des hôtels de 4 étoiles, se trouve près du centre de la ville. Il y a encore des hôtels de 5 étoiles comme Sofitel Plaza, Sofitel Métropole, Hinton, Opéra, Melia et Sheraton. Hanoï, la capitale du Vietnam avec la superficie de 921 km². Et la population de Hanoï est environ plus de 3 500 000 habitants. Hanoï est la ville des beaux lacs, environ 18 lacs. Avec la superficie de 220 hectares. Et le lac de l'Ouest est de 500 hectares. Hanoï, ça veut dire en deçà du fleuve. Ce nom a été rebaptisé par le roi Minh Mang pendant une visite officielle dans le nord du pays. Il y a 5000 ans, le fleuve rouge s'est coulé à la place du centre de Hanoï présent. Et petit à petit,
il a changé le courant vers le nord-est et laissé des lacs et des bancs de terre. Plus tard, les habitants de la région Yi avaient construit des villages et des rizières, les lacs qui restent jusqu'à maintenant. Hanoï a été choisi comme capitale en 1010 par le roi Li Kongwen avec le nom Tanglong. Maintenant, la capitale qui a 9 arrondissements. Il y en a 4 anciens et 5 nouveaux. Nous sommes maintenant au centre de la ville avec le quartier de Transit Guide, le marché d'Hongson, château d'eau de Hangzhou, le pont Pondoumer, l'opéra et la cathédrale Saint-Joseph, etc. Puis nous allons visiter des points de visite importants de la ville. Le temple Kwantang. Les trois caractères sur la porte du temple sont Chenwu Kwan, ça veut dire le temple pour faire des cultes au génie Chenwu, qui a aidé le roi Anzongwu de chasser les mauvais esprits et qui se défendait le nord. C'est pour ça que le roi Li qui a fait construire ce temple au nord de la citadelle. Ce temple était construit par le roi Li en 1028. Il est le temple le plus ancien de Hanoï. À l'intérieur, il y a une statue du génie Chenwu en bronze. Elle pèse de 4 tonnes et la hauteur à peu près 4 mètres. Elle avait été moulée en 1677, en 1893, le temple qui a été restauré pour la dernière fois. La pagode Trencourt était construite sur une petite île du lac de l'Ouest. C'est la plus belle et la plus ancienne pagode de Hanoï. De loin, on peut voir les stupas de la tour de la pagode qui monte vers le ciel bleu. Dans la cour de la pagode, il y a encore le banyan du bouddhisme était offert par le président de l'Inde en 1959. Le mausolée Ho Chi Minh était construit pendant 3 ans, de 1973 à 1975, avec l'architecture russe. Le corps de Ho Chi Minh était embaumé et mis dans ce mausolée au mois d'août de 1975. L'ouverture du mausolée est 5 matins par semaine, sauf lundi et vendredi matin. Chaque année, on ferme 2 mois pour l'entretenir, c'est octobre et novembre. Devant le mausolée, c'est la place Ba Ding, là où Ho Chi Minh qui a déclaré l'indépendance du Vietnam. Au 2 septembre 1945. Et plus loin autour de la place, ce sont des bureaux étatiques et des ambassades.
Le palais présidentiel était construit pendant 6 ans, de 1901 à 1906. Tout d'abord, il était le palais du gouverneur de l'Indochine. En 1954, les Français sont partis. Le gouvernement de Ho Chi Minh qui a récupéré et utilisé comme palais présidentiel jusqu'à maintenant. Le jardin botanique de Hanoï a été fondé par les Français à la fin du 19e siècle, avec des centaines de sortes d'arbres venus des coins différents du monde. La maison sur pelotis en bois de teck de Ho Chi Minh était construite en 1958 pour faire plaisir à l'oncle Ho. En bas, c'est le salon pour recevoir des membres du ministère de la politique et les enfants. En haut, c'est son bureau et sa chambre. Au pied unique était construite par la dynastie Li en 1049 et elle a été restaurée la dernière fois en 1957. La pagode qui a la forme de la fleur lotus s'épanouit. Le temple de la littérature a été construit par le roi Li en 1070 avec le but de l'enseignement du confucianisme aux fils du roi et des mandarins. En 1976, la famille Li qui a fait bâtir un ensemble derrière le temple pour faire des études à leur fils appelé École des fils nationaux. On peut dire que première université du Vietnam. Plus tard, l'école était popularisée pour recevoir des fils intelligents du peuple. L'architecture du temple a porté l'influence chinoise sur une superficie de 5 hectares et demi. Le temple qui a 5 portes, avant d'entrer dans la troisième porte, on voit tout de suite le pavillon Van Ca. C'est un des symboles de Hanoï. Le puits de la clarté céleste et 82 stèles des lauréats posées sur le dos des tortues. Après la porte de la grande synthèse, c'est la partie la plus importante du temple où l'on mit les statues de Confucius et ses meilleurs disciples. Derrière le temple est l'ensemble de l'école des fils nationaux qui a été détruit en 1947 pendant un assaut des Français à Hanoï et reconstruit à l'an 2000 pour la bienvenue d'anniversaire de 990 ans de Hanoï. Le temple Ngoc Sơn se trouve au cœur de la capitale. À l'entrée du temple, il y a deux caractères chinois comme l'abondance et le bonheur. La tour de pinceau est l'encrier sur la troisième porte.
Ce pont a la forme de l'élevé du soleil. Nous emmène au temple. Le temple que l'on voit maintenant était construit au 19e siècle et plus tard était restauré par M. Nguyen Van Siew. C'est un grand rechercheur de Hanoï. Dans le temple, il y a deux dieux importants à faire des cultes. Sont le dieu Van Sung qui s'occupait des concours littéraires et le dieu Trần Hưng Đạo, les héros militaires très connus du Vietnam au XIIIe siècle. Maintenant, le temple attire beaucoup de visiteurs vietnamiens, étrangers et des personnes âgées qui aiment cet endroit pour se distraire et jouer aux échecs.
vật gì ẩn hiện gần đây, đem kiếm thần ra chém vật này. Walou, la baie d'Allonge sur terre. Des rochers calcaires, des canaux, des rizières et des villages font un tableau vivant et paisible. Avant, la mer c'était ici, mais maintenant elle a reculé à 25 km à l'est. Ce beau site se trouve à 110 km au sud de Hanoï. Ça se prend 2 heures de voiture.